Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite wishlist, un petit peu les idées, un petit peu des vidéos, un petit peu, on parle un petit peu de la chaîne, de l'année 2022 avec le beau soleil que vous voyez reflété sur moi. Voilà, ça fait exprès, j'ai tourné, mais non, quel soleil, donc voilà. Donc, on va un petit peu parler de la chaîne. Donc déjà, vous avez remarqué qu'il y a des vidéos maintenant tous les dimanches, donc ça, ça va rester. Une vidéo tous les dimanches à 11h15, plus une autre en bonus de temps en temps, le mercredi à 18h, quand il y a trop de gaming et que je sais pas comment le mettre parce qu'il y a trop de vidéos de prévues, je le mets le mercredi. Donc voilà, donc j'ai des petites feuilles Bristol, voilà, pour un petit peu, hop, parler un petit peu de les idées de vidéos et un petit peu vous parler un petit peu de la chaîne. Voilà. Donc, déjà, vous avez remarqué qu'il y a eu un vlog IRL là, et là c'est encore une vidéo IRL, donc il va y avoir beaucoup plus d'IRL cette année, dont les playlists. Il va y avoir pas mal de playlists. J'ai pas mal de CD, de trucs à vous présenter, des musiques et tout. Donc, il va y avoir des playlists. Je vais essayer d'en faire une fois par mois. C'est pas sûr, mais j'aimerais bien. Des playlists style année 2000, des playlists, vos playlists à vous, les playlists des inconnus, on va demander aux gens dans la rue ce qu'ils écoutent, un petit peu, voilà, un petit peu des playlists à côté, des découvertes d'albums qui vont sortir cette année ou redécouvrir des anciens albums, c'est pas mal aussi. On va essayer vraiment faire au moins une voire deux vidéos par mois de playlists. Peut-être qu'il y en aura même une le mercredi hein, parce que ça passera pas le dimanche, hein. Ça je peux pas vous dire. L'objectif c'est de sortir 52 vidéos cette année. Vous faire plaisir, me faire plaisir aussi à moi, parce que moi ça me fait plaisir de faire les vidéos, ça avant tout, pour le plaisir. Après il va y avoir les vlogs du coup qui vont arriver cette année aussi, donc des vlogs de voyage. Je sais qu'on va aller à Turenne, ça c'est sûr qu'on va aller à Turenne en Corrèze. Pour ceux qui savent BTE, on a fait Turenne sur BTE, donc voilà, c'est un petit peu aussi ça. J'aimerais bien aller à Oradour-sur-Glane aussi parce que j'ai jamais été et c'est pas très loin de chez moi. Et je voulais y aller une fois mais il y avait le pass sanitaire et je l'avais pas à ce moment là, donc j'ai pas pu y aller. Faire des journées TER, on prend le TER, on prend le train pour une journée, on va dans une ville et on revient. Ça j'aimerais bien aussi le développer. Aller voir des sites d'architecture moderne, ancien, un petit peu, voir un petit peu de parler d'architecture globale, dont aller à la cité Fruges, ça j'aimerais beaucoup vous présenter ça cette année. Voilà à ce niveau là, des rassemblements de voitures aussi. Je sais que je fais des rassemblements de voitures et j'aimerais bien vous filmer un petit peu tout ça à ce niveau là. Peut-être des vidéos réactions sur des anciennes émissions télé, ça peut être sympa aussi, des émissions télé des années 2000 que l'on regardait pour se rappeler des mémoires et voir comment à l'époque c'était, vous verrez qu'il y a des trucs, c'est hallucinant. Faire des activités manuelles un petit peu d'art plastique, donc de la poterie, de la pâte à modeler, tout ça, ça on va essayer d'en faire aussi cette année. De la cuisine aussi parce que j'ai jamais trop fait de cuisine et ça peut être drôle de découvrir la cuisine ensemble, voilà, de faire des crêpes, d'autres choses, voilà, la cuisine. Des vidéos, réactions sur YouTube, de youtubeurs, des maris, follow, etc. Voilà, ça peut arriver aussi, hein. je dis pas non à ce niveau-là. Aller voir des matchs de foot, de hockey, de rugby aussi. Vous montrer comment je travaille une journée au travail, peut-être aussi ça va arriver. Et j'aimerais interviewer aussi un mec qui a le projet de faire le métro à Bordeaux, qui a le projet sur le métro. Donc ça, c'est les pros. Après, on passe un petit peu au projet un petit peu de la chaîne cette année. Donc j'aimerais bien aller voir un ou deux lieux d'urbex dans l'année, voilà, vous savez, c'est à la mode, mais moi j'aime bien aussi voir de l'authentique et des trucs abandonnés, voir un petit peu voir tout ça. Donc de la pêche à l'aimant aussi avec de l'action écologique, j'aimerais vraiment développer ça, aller à la Pride 2022 si elle y est. Retourner en Alsace, ça c'est aussi un projet mais je suis pas sûr à ce niveau là, et vous faire des visites comme je vous ai dit, de lieux, un petit peu des vlogs, un petit peu des lieux locaux, de châteaux, des petits trucs dans un truc, et refaire le décor de ma chambre. Voilà ce niveau là. Donc le gaming, il va y avoir du Minecraft hein, principalement. Vous savez très bien que ma chaîne est basée sur du Minecraft de base, donc je ne vais pas vous abandonner sur Minecraft, ne vous en faites pas, il y aura toujours du Minecraft. Donc il y aura des tutos de pack, des tutos de comment faire des modèles 3D, des tutos globaux de Minecraft, de l'Immeuble Boss Mania, parce que du coup on en avait déjà fait un et ça vous avait plu, donc je vais en refaire un. La série L'Histoire d'Humberstone va continuer à travers les builders. Des visites globales de maisons sur Amber, d'ailleurs un petit peu, du BTE aussi, hein. Il y a l'Event Seattle qui va commencer d'ailleurs la semaine prochaine, donc voilà.
et des tutos de render, du GTRP, du GeoGuessr et un petit peu de petits packs et découverte de Fortnite parce que j'ai jamais trop joué à Minecraft. Du Hypixel aussi, des serveurs de mini-jeux, des jeux du Game Pass Xbox, ça c'est aussi à voir, ça peut être possible. Et comme je vous l'ai dit du GTRP, je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, mais je reviens là-dessus. J'aimerais vraiment faire des best-of en fait de GTRP, de créer un personnage, je vous fais les meilleurs moments dans mon personnage et tout. Ça peut arriver aussi en cours de l'année. Et le GeoGuessr, ce que j'aimerais développer avec GeoGuessr, je l'ai aussi dit quand je l'ai lu, c'est en fait, je prends GeoGuessr en Nouvelle-Aquitaine, je mets les lieux un petit peu sympas, je clique sur un point et je clique et tout, et si au endroit où on arrive, bon, on ira. Ça peut être sympa aussi à développer. Donc, on repart sur les objectifs. Donc, une vidéo par semaine, tous les dimanches, 11h15, toute l'année. Vidéo playlist par mois. Et comme je vous l'ai dit, du coup, j'aimerais aller dans des lieux d'architecture un petit peu, enfin, découvrir un petit peu de l'architecture et pas mal de choses. Donc, voilà. Et puis, la musique. Comme je vous l'ai dit, une vidéo playlist par mois, minimum. Et puis, voilà. Vraiment vous faire découvrir plein de musique, donc voilà. Et pour finir la vidéo, quand même, bonne année à tous. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, je suis bête là-dessus. Donc bonne année à tous, que vous passiez une bonne année, plein de santé, voilà, etc. Moi je suis pas très 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 fête là-dessus, j'ai même pas fait le réveillon hier soir, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé en début de vidéo. Mais quand même, bonne année à tous et à toutes, voilà. Donc voilà, donc nous on va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit peu pour les résolutions de l'année en gros et puis l'avenir de la chaîne, comme ça vous en savez un petit peu plus. Et nous on se laisse et on se retrouve dimanche prochain. Allez, bye bye! I've always been the kind of girl that hid my